San Pierudos. Va bene, come parla di avò? Non hai mica capito tutto. E hai capito? No, ma tu. Buona, papà! Sa va! Non capito, non è facile. E parla un corso. Ma è vero, di pista se poi fa appena un cotta, così no, mangiamo solo di mangiare. Mangiamo va! Basta che la senti mangiare e si sveglia. So mica perché, ma sono sempre a digiuno e mi pigliava manca a me. Questo i pensieri, vorrei studiare a mia. Ma mangiare un dopo, se voi siete da cruzzare. E così posso dormire in una stondarella. Incredibile! Come vero? Io! Basta! Boh, non di più, faccio le cose principi, così non manco un flacchino a guanibia. Allora, come i vedi tu là fuori? Io quando sono famiglia non ci vedo manco più, non ci vedo. Fai giù capito, puttana copa. Dai, mangiati sto passato. Gie Bon, Gie di Rossi, o pastizia non t'abbia. E beh, come ha fatto Anduino? Dunque, non c'è tutti i pastizzeri, le pisciaie, i macellari. No, vabbè, tutto ciò che si mangia. Ma ora, dici come vedi che non principi, mo. Io ciò che ecco qui, è un canto, per principia. Ci sta bene un canto. Dicendo che senza canto poesia a teatro corsi, un cin. Fogicce, te non potaccio durare a questo, eh. E qui mamma dà ragione. Dai, mangia un altro croissant. Ma! Un nemico moviolo. Infine, c'è un moviolo, ma un nemico mio. La giudrò, io la giudrò un chieruggio. Era mo' estate e avevo una fame da giunca. Manca, non avevo un'onda a mangiare. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Via Stella. Alors, la settimana scorsa eravamo qui per un anniversario, dire l'anniversario di Avileta, 40 anni, e oggi ci troviamo torno qui al teatro per un altro anniversario, tanto più giovane che seguì 30 anni, 30 anni di teatrino, 30 anni, e on est en pleine répétition de la pièce qui va être jouée samedi soir, le 23 février, ici, qui va consacrer les 30 ans du théâtrine. Il y a le metteur en scène, créateur de la troupe au théâtrine, Guy Cimino à côté, qui est studieux, hein, qui fait répéter Guy. Alors, qui est ce spectacle? San Piero Gorso. Si chiama San Piero Gorso. Il problema conta la storia di San Piero Gorso, ma all'uso di Adino, la di chi sarà appena maltrattata la storia di San Piero. E soprattutto chi un realizzatore di un film che sarà valente San Piero Gorso, un bulegia l'epiche, un sa mica di ciò che lo balla sempre. Un realizzatore sarebbe questo qui che firma qui? No, il realizzatore è Gianbattista Filippi, quello qua, lui, a sciarpa rossa, quello che firma è uso cameraman. Uso cameraman. Mettono anche un piatto. Stiamo sentendo appena a sta donna che gli è vissuta, perché ho un amico un costume di l'epica di San Piero che subì. No, non ce ne manco uno con l'epica. Trent'anni di teatrino, combien di pièces in tout, Guy, tu as produit? Une cinquantaine, ouais, de mise en scène, une cinquantaine. Écriture, pas toutes, des fois on a pris des pièces. Enfin, au moins traduction, quoi. Si c'est pas écriture, c'est traduction. Et puis je vois qu'on a des comédiens, on a des anciens, il y a Jean-Baptiste Philippe, il y a Jean-Pierre Duvichil, mais il y a aussi des nouveaux. C'est-à-dire que Théatrine, c'est aussi une troupe qui on essaye d'évoluer un peu parce qu'on commence à vieillir. Oui, en même temps, une pépinière de talent aussi. Il faut des jeunes. Pierrick et Sérène, je les avais eus comme étudiants à Corté, en art du spectacle. Ils venaient aussi aux ateliers du CCU d'un théâtre. Et puis après, on les a récupérés. Quoi. Enfin, récupérés, c'est entre guillemets, bien sûr. On a Julia qui est là depuis deux ou trois saisons. Deux ou trois saisons.
qui a dû faire aussi Art du Spectacle, mais je ne l'ai pas connu elle. Et puis les anciens comme Jean-Baptiste Philippe. Les anciens comme Jean-Baptiste. Jean-Pierre depuis 30 ans. Jean-Pierre, ça fait pas 30 ans. Il est venu après Jean-Baptiste, oui. Jean-Pierre fait 20 ans, Jean-Pierre Emmanuel. Oui, une vingtaine. Oui. Non, en 89, il est venu. Ouais. Non, en 89, en 80, 90, un truc comme ça, oui. Théâtrine, c'est le théâtre, évidemment, hein, mais c'est pas que le théâtre, c'est aussi la télévision, Avamia Pastachou. Oui, oui, Avamia Pastachou, très célèbre, toujours. Oui, Avamia Pastachou, qui a accompagné les spectateurs de Via Stel, enfin, de France 3 Corse d'abord, et de Via Stel. Pendant longtemps. Pendant longtemps, plus de 7 saisons, 7-8 saisons. Ouais, 7-8 saisons. On a fait aussi 2 pièces de théâtre avec Avamia Pastachou. Justement. On a retrouvé quelques images. Et puis, aussi, évidemment, Istourti. Istourti, oui. D'ailleurs, il y a une question hein, qu'on nous pose. Hein, Sarah Mourte ou Bartholit? Oh, oui. Mourte ou Bartholit? Oui. Mourte ou Bartholit? C'était un gimmick. C'est comme James Bond. Parce que dans les Stourti, vous avez tout fait. Vous avez fait de la parodie de la télévision, la parodie des sitcoms. Oui, la parodie de la télé, c'est surtout Daniel. Hein. Ouais. Sitcom, c'était moi. Et des fausses pubs. Des fausses pubs, ouais, ouais, oui, ça fait beaucoup de. Ouais. François Berling qui disait. Oh putain, con, le cabanon. Putain, con, le cabanon. Oui, oui, c'était. Ouais. C'était quoi de FLNC aussi. Le terroriste. Ça, c'était le terroriste. Oui, donc ça, c'était une aventure qui a duré 4-5 ans. Ouais, 4, hein, jusqu'à l'an 2000. Une aventure folle, hein, parce que c'est. C'était presque inimaginable de créer ce tourti. Oui, oui. Ouais. Et on a d'ailleurs, on les a remis, on les remet régulièrement sur, oui, oui, j'en ai vu, oui, sur, oui. Sur Internet et ouais. Sur Facebook. Et ça marche, ça partage, ça permet aux jeunes générations de voir, un petit peu, oui. Ce programme qui était mythique. Oui, oui, ouais, ouais, qu'il est toujours. Hein, je veux dire, c'est, ça n'a plus été refait vraiment, ça. Je veux dire, ici, hein, du moins. Non, ça n'a plus été. Bah, peut-être qu'il faudrait y songer. Oui, on pourrait songer. Il faut qu'on y pense à refaire un programme parodique comme ça. Oui, dans le genre. Il faut retrouver Daniel. Parce que lui, pour les parodies de la télé, il était bien. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ah, ouais. Et donc, Istourti, évidemment, Pastachou, Casalone. Casalone, oui, oui, Casalone. Que j'aimais beaucoup dans Casalone. Ouais. Et Hôtel. Hôtel, ouais. Quelques saisons d'hôtel. Ouais. Ce travail de théâtrine autour du théâtre et de la télévision, et aussi aujourd'hui avec Pasta Prod, de la captation de spectacles vivants, hein, de la carte vivo. Ça fait 30 ans que toi tu es dessus. Évidemment, il y a des gens qui prennent la relève. Ouais. Mais comment tu as vécu ces années, l'évolution du monde de la culture en Corse? Eh ben, je l'ai bien vécu, hein, parce que bon, je me suis beaucoup amusé. Hein, et je suis toujours vivant. Après, bon, au niveau théâtre, ça a beaucoup évolué, hein, puisqu'on a commencé. Quand on a commencé, on avait très peu de choses, pratiquement pas de moyens. Bon, donc là maintenant, on est en convention avec la région, on a un lieu. Donc pour nous, ça a évolué, ça a mis du temps, hein, puisque le lieu on l'a depuis pas très longtemps. Donc ça a mis du temps, mais il y a eu une évolution qui est indéniable. Hein. Des choses ont été faites. Alors il reste encore des choses à faire, sûrement. Mais bon, ça va mieux qu'il y a 30 ans, ou il y a même 35-40 ans, puisque en fait, moi, j'ai commencé avant Théadrine. Avant Théadrine, il faisait partie je t'avais vu dans une pièce qui s'appelait Uccego Strop. Tout à fait, oui. Dans, ça, c'était avec Compagnia di Lolo. Compagnia di Lolo. Voilà. Donc avec Piero Michelangelo. C'est quelques années avant, hein, en tout cas. Oui. On a des étantes. Voilà. Donc là, on est en pleine répétition. Le spectacle, c'est samedi. Samedi à 20h30, oui. On répète. On n'est pas tout à fait prêt encore, mais bon, pratiquement quand même. Ça fait partie, de la célébration des 30 ans de théâtrine. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres choses, surtout beaucoup pendant la fête avec Sadia Alingua. Di Giugno. Maggio Giugno. Maggio Giugno. Donc voilà, qui è Mario Gassa Bezzagui a Gorte di Museo, ou Mabba Piccole Bezze di Deado. Più ciughe, non mi hanno cacciato i luoghi, guameri, ma vedo, ma va forse un stasio di ideato, di idee per i grandi, forse un stasio di scrittura che può cominciare abbastanza presto e per finire di maggio o di giugno. E cosa ne sapete a fare? Già è stato normalmente Mariangeli che ci ha davanti qualche canzone una sera, e voilà. Qui sono in pieno lavoro, eh? Tanto si sbagliano con tu, eh? Oui, ça n'a pas mal. Oui, ça n'a pas mal, ouais. Ciao, voilà.
Qu'est-ce qu'il dit? Et je dis doucement à droite. Mais ça veut rien dire, doucement à droite. Et ça veut dire, ça et veut. Non. Alors, parce que quand capisce un micro corso, tu la ramènes qui il y aura des sous-titres. Il y aura des sous-titres, hein? Oui, oui, non, des surtitres, puisque je suis sur la scène. Donc ça veut dire que c'est des pièces qui sont pièces qui sont en Corse, mais avec des sous-titres français. Surtout en français, que tout le monde peut suivre. En plus, bon, ça c'est une comédie légère, truc où il n'y a pas une compréhension du texte. Donc on peut suivre même si on ne comprend pas le corse, on peut, grâce au texte en français, on suit facilement. Donc on est au théâtre, on est dans la parodie, dans la comédie Trent'anni di Rise, quand théâtrino Trent'anni di Rise, Trent'anni di Magaia, di noi. Oui, spesso, sì, spesso, mo batto qualche pezzo appena più serio, ma o più di Arisa. Arisa lingua corse, a Magaia. È sempre lingua corse. O spirito bastiaccio, quando tu. Assai, ma è obbligé. Et la nouveauté, on va dire, c'est que, enfin la nouveauté, en tout cas pour cette pièce, c'est qu'en plus il y a une projection. Il y a une projection en même temps. Oui, en même temps, c'est-à-dire qu'il y a un caméraman sur la scène qui filme la pièce et elle est projetée sur un écran au-dessus de la scène. On avait déjà fait avec comment ça s'appelait ça, La noce chez les petits bourgeois de Brecht. Le début de la pièce, c'était la noce, les mariés qu'on avait filmé avant, c'est pas tout à fait la même chose, mais presque, qu'on avait filmé avant, qui dans un champ comme ça, qui allait à l'église. Et donc c'était projeté sur un linge étendu, un drap étendu dans une ruelle. Et après, le cortège arrivait dans la ruelle, foutait en l'air le drap, et ils se retrouvaient sur la scène, et toute l'avenue était filmée. Et quand ils cassaient l'écran, ils arrivaient en vrai sur la scène. Et ça avait un bel effet. Donc là, c'est pas la même chose. Mais on avait déjà utilisé un petit. Et dans aussi Pascal Paul, on avait utilisé un grand écran derrière. Et la pièce était filmée, mais d'en haut de la scène, avec une caméra fixe. Et il y avait des parties filmées aussi. Mais celle-là, c'est autre chose, puisqu'il y a des gros plans sur les personnages. Oui, c'est ça, ça sert aussi. Voilà, à un moment donné, ça va donner l'impression d'un film aussi, hein, un petit peu d'une captation, enfin, une captation même du tournage d'un film, hein, puisque c'est le sujet de la pièce aussi. Et en même temps, il y aura des images sur l'écran que le spectateur ne peut pas voir, de la salle, quoi. Des gros plans, des vues de dos, etc., quoi, des choses comme ça. Combien de comédiens sur scène, ça me dit ? Il y a 8 comédiens, plus le caméraman. Donc ça fait 9 personnes sur la scène. Un pezzo che hai più giocato tu a notare? L'ultima che hai giocato, l'ultima pezza che giocato. Amore e amore. Amore e amore che giocato. Ma facevi un pezzo con giocato. Don Giovanni? Don Giovanni non l'hai mica giocato, no. Ça te manque pas? Et un peu, parce que c'est quand même bien d'être sur la scène. C'est d'être sur la scène, en plus quand tu as le public, je veux dire. Parce que le théâtre c'est ça, je veux dire. C'est jouer avec le public. Et c'est pas la même chose que le cinéma, c'est autre chose. Je veux dire, mais le théâtre, il y a ce rapport direct avec le public qui est irremplaçable. Quoi. Et c'est vrai, quand on est sur la scène et que le public réagit, le truc, et on se sent bien. Quoi. Ça donne, oui, ça fait vivre plus vieux. Oui, oui. Ben écoute, on va vous laisser travailler. Et en souhaitant longue vie, hein, longue vie à Théâtrine. Oui, et puis on se retrouvera certainement. Oui. On rappelle que le spectacle à Saint-Pierre aux Ours, c'est samedi, 20h30, ici, et qu'il y aura d'autres dates. Ajaccio. Ajaccio qui est prévu, oui. On voit Porto Vecchio. On va jouer à Cargese aussi le 2 mars. C'est-à-dire dans pas longtemps. Chez Isis. Chez Isis Tiap. Oui, c'est Isis Tiap. Qu'on salue parce qu'on a joué l'an dernier là-bas. Tu fais un beau travail avec Cargese. Oui, et puis en plus, elle est très gentille, elle est accueillante, elle est le truc. On est bien là-haut. On aime bien monter, jouer là-haut. Elle aime bien vous accueillir. Je pense, oui. Donc on va vous laisser travailler, puisque je vois que ça répète pas mal, les comédiens sont là, on va pas les déranger, Yann, on va laisser les gens bosser, et puis eh ben, on se retrouvera, nous, oui. Yann, on se retrouvera la semaine prochaine, hein, pour plein de live, encore, et puis nous on se retrouvera samedi soir, on sera au rendez-vous, samedi, 20h30, à De Bastia, Saint-Pierre aux Ours, Trent'anni di Théâtrine, merci à vous. Et merci à vous aussi. Ciao, bon travail. Allez, ciao. Ciao. Sta all'ospedale! È vero, aggiungo!
timidant.